partout pour notre grand malheur. Pour le Thésaure, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit, vous perdez le sommeil. Je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Porte yokai, yokai watch. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Des esprits juste à côté, ses amis là pour les. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Yokai, yokai watch. Ces amis là pour l'aider, est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il arrive Yokai Watch. Eh bien salut les amis, c'est Kamano et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de Yokai Watch de Phantom Buffy. On est toujours suivi de Whisper parce que j'aimerais bien être suivi de QB et Carpitaine, mais je les ai pas encore, donc on verra ça plus tard. Alors déjà je vais rentrer chez moi, me reposer et sauvegarder. Mais je voulais vous dire aujourd'hui on va essayer de combattre Gargaros. Donc on va essayer déjà de le rencontrer. Et alors Gargaros, vous allez peut-être être quelques-uns dans les commentaires à me dire il paraît qu'on peut devenir ami avec Gargaros. Et si oui, comment? Alors on peut devenir ami avec Gargaros dans Yokai Watch 2. Effectivement, c'est pas une rumeur, c'est possible. Mais en fait on peut pas. je vous fais toujours la blague. Non mais en fait c'est parce qu'on peut. Mais en fait le problème c'est que pour le moment on ne peut pas. En fait pour devenir ami avec Gargaros, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra lier le jeu Phantom Buffy, je crois, une version de Phantom Buffy avec une version de Psychic Spectre. Et Psychic Spectre, et ben ce sera la troisième version de Yokai Watch 2 qui sortira à la fin de l'année, j'y crois de moins en moins, mais ou sinon en début d'année 2018. Donc voilà les amis, ça fait que pour le moment, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous pouvez battre Gargaros un milliard de fois, ça ne change rien, Gargaros ne deviendra jamais votre ami. Mais il pourra, donc eh bien tout simplement, garder ça en tête, et quand la version de Psychic Spectre, donc c'est son nom, sortira, je vous montrerai comment on fait. Je vais peut-être me faire suivre par Dibanyan en fait. Ça fait aussi longtemps qu'on s'est pas fait suivre par Dibanyan, donc voilà, faisons-nous suivre par Dibanyan. Waouh! Eh bien voilà, super. Alors, tu veux renvoyer ton valet? Oui, je veux renvoyer mon valet de l'extrême. Eh bien voilà, super, donc on a fait un épisode avec Whisper, un épisode avec Dibanyan. C'est bon là, c'est un petit retour aux sources, c'est cool. Donc vous savez comment on rencontre Gargaros, hein? Vous savez peut-être pas, non, parce que c'était pas comme ça dans le Kawash 1 en fait. Mais il faut trouver un feu rouge. Il faut juste traverser au feu rouge, voilà, plusieurs fois. Normalement, mais attendez, il y a encore un... Comment je vais faire pour l'avoir celui-là? De l'autre côté, ouais, on dirait que c'est de l'autre côté. Non, parce que je veux aussi les coffres, hein. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai eu dans l'autre coffre. Ça devait pas être un truc ultra important. Mais attendez, il faut faire un gros tour, là. Peut-être par là. C'est chaud de rentrer chez les gens, hein, dans les Kawatch, hein. C'est pas fait pour, hein. Non, on va faire le tour par en bas. Par ici. Ah non, c'est là. Attendez, on peut peut-être rentrer ici. Sinon, on peut peut-être suivre le chat. Ah non, c'est là. Ok. Donc, allons-y. On n'a pas trop le choix, mais non, c'est pas du tout là. On peut aller vers le haut ou pas? Non, on a peut-être pas le choix. Ah si, on peut. Ok, d'accord, je pensais qu'on était obligé de suivre les traces de pas. Finalement, non. On peut aller tranquillement ici. Donc allez, récupérons ce coffre. Pièce de Bingo Kai, hein. Oui, pièce rouge, yes. Non, moi, ce qu'il me faut, c'est surtout des pièces vertes. Mais c'est quand même cool d'avoir une petite pièce rouge, allez. C'est sympa. Donc, je rejoue au Bingo Kai, hein. J'ai pas encore prévu, je pense que je ferai ça dans les lives. Mais pour le moment, voilà, je garde toutes mes pièces. Et durant les lives, je pense que je vous ferai au début de chaque live, en fait, des essais du Bingo Kai. Ça me paraît cool comme ça. Donc, alors oui, au début, on va rencontrer Fouettard pas mal de fois. Et quand on l'aura rencontré suffisamment, il y a un feu ou pas là? Il n'y a pas de feu. Quand on l'aura rencontré... Il n'y a pas de feu ici? D'accord. Ok, bon, cherchons avec un feu. Mais donc quand on aura rencontré et battu d'ailleurs Fouettard suffisamment de fois, c'est bon, ça deviendra Gargaros. D'après ce que j'ai compris. On va voir ça tout de suite. Tu cherches un feu, hein? Non mais c'est une blague là. Il n'y a peut-être pas de feu dans cette zone de la ville en fait. Donc on va aller à la suivante, je pense, parce que là, oui, il y avait un coffre violet. C'est des coffres violets pour s'il y a de nul dedans. Ah, il y a un feu. Ok. Bon les amis, vous êtes prêts? On sauvegarde. Fouettard, ça risque déjà de pas être ultra facile, mais alors Gargaros, ça risque aussi d'être assez complexe. Donc voyons voir. Allez, ok. Bah, ok. J'ai dit, on traverse lorsque le feu est vert. Si tu veux, Fouettard, si tu veux. Bon. Alors, est-ce qu'on va devenir ami avec Fouettard? J'en suis pas sûr. On va quand même essayer de lui donner à manger. Ce serait quand même cool que dans l'épisode comme ça, voilà, en mode un petit peu random, on devienne ami avec avec Fouettard, mais j'y crois moyen. Combien de dégâts il va nous faire, lui, Fouettard? C'est surtout ça que je me demande. Ouh là 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 là. D'accord, il ne rigole pas, Fouettard. Ces dernières, elles ne lui redonnent même pas toutes ses vies. Bon, c'est bon, qu'il se mette en garde, c'est bien. Ah mais non, mais on va galérer contre Fouettard. Regardez le peu de vie qu'il prend.
Il a pas tué Slurpaw en un coup, mais presque quand même. Attendez, attendez. Oh là 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 là. On gagne vraiment pas assez de vie. Hein. Slurnian, ouais, c'est bon. Slurnian, elle peut refaire un coup. Attendez, je pense que moi, je vais prendre Gorgouille, là. Je vais essayer avec Gorgouille de faire une âme ultime. Non, mais j'accélère. Pas le temps du combat, parce que là, c'est ultra chaud. Attendez, je vais redonner de la vie à Slurnian, parce que... Je sais pas si vous vous souvenez du pouvoir de Fouettard, mais Fouettard, il devient plus fort quand il tue un de nos yokai. Donc, faut pas le laisser tuer un de nos yokai. Si un yokai meurt et qu'après on le ramène à la vie, c'est un peu la cata en fait. Mince! Il va attaquer Slurnian. Et mince, Slurnian est mort. Teux. Et ben voilà! Nucky devient plus fort. Mince! Bon, ça dure pas éternellement, je crois, mais c'est quand même chaud parce que. Oh mon dieu! Oh mais non, mais là je suis mort! Je suis forcément mort, j'ai plus Slurnian. Nucky, j'ai plus aucun soigneur. Oh là 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 là, c'est la cata. Ah, c'est bon, c'est bon. Je peux faire revenir Slurnian. Non, mais en fait, je pense que ce combat-là va être plus difficile que le combat avec Orcanos. Hein. Y a moyen. Allez, vas-y. Surtout que là, je peux plus donner de vie à Gorgouille. Hein. C'est trop chaud. Là, tu peux attaquer Maître Nyada. Oh non, vous êtes sérieux? Non, mais là, mais le combat va être une catastrophe. Oh là là, le nombre de vies qu'il a. Bon sang. Mais c'est pas sérieux. Mais attendez, mais je suis presque niveau 70 pour tout le monde et j'arrive pas à battre Fouettard. C'est pas possible. Bon, Maître Nyada qui est presque mort d'un coup, quoi. Là, histoire d'être... Non, mais ça sert à rien, tu peux soigner Maître Nyada. Les amis, c'est pas possible. Je vais quitter le combat et je vais le recommencer parce que c'est pas possible. Bon, eh bien, les amis, je suis désolé pour ce début d'épisode un petit peu chaotique. Hein. J'ai quand même essayé de me combattre avec des yokai dont je n'avais absolument pas le niveau pour les battre. Donc, finalement, j'abandonne. Je me battrai pas contre Fouettard maintenant. Je me battrai pas non plus contre Gargaros. Mais ça arrivera hein, dans des épisodes plus tard. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va aller dans les limbes éternelles. On va essayer de combattre le yokai suivant. Et en plus, ça va nous faire gagner un peu d'XP. Donc, c'est jamais mal. Attendez, est-ce que je vais... Non, je vais pas au bon endroit, là. Fallait que j'aille à droite, non? Je sais plus. Ouais, c'est ici. Oui, si. J'ai reconnu le chemin. Donc, après, je garantis pas non plus que ce yokai, j'arrive à le battre facilement. Ça se trouve, j'y arriverai même pas du tout. Je sais, j'ai aucune idée de quel niveau faut être. C'est au 7ème cercle? Non, c'est peut-être au 8ème. On a déjà... Non, c'est au 7ème. Donc, il est dans ce cercle-là. Allez, les amis, c'est parti. Donc, alors... Ok, un anneau lunaire, c'est cool. On a déjà plein, mais bon. Surtout qu'on peut pas les revendre, nos équipements. Donc en fait, quand on a plein de super bons équipements, bah, ça ne sert à rien. Parce que moi, je les aime pas déjà, les équipements, donc je les mets pas. Mais ouais, donc bon, c'est un petit peu dommage. Voilà, il est là. Hein. Ouais, il est là. Donc c'est rencorné, les amis. Il y a pas de coffre? Ok. Donc on va essayer de se combattre contre le yokai rencorné. Voilà. Ça va être difficile, les amis. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Je pense que c'est quand même plus faisable que Fouettard, hein, mais bon... Combien? Tu penses qu'il a combien de tentacules? Le voilà qui retrouve son intérêt. Eh ben, Whisper, c'est une bonne question. Tu devrais les compter lors du combat. Eh bien, je dirais environ 10 tentacules. C'est un calamar, après tout. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Bon, alors les amis, c'est parti, on y va. Donc ça ne va pas être facile du tout. Bon, ça va, en fait, il fait pas beaucoup de dégâts. Il fait largement moins de dégâts que Fouettard. Mais ça va aller, ça va le faire. J'avais super peur, mais finalement c'est bon. Je pense que ça peut se faire tranquille. Donc alors, déjà faut attaquer ces trucs là jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Ok, c'est bon. Maintenant faut attaquer ce truc là. Allez, allez-y, vous pouvez en profiter. Qu'est-ce que c'est un pacte blanc? Ah oui, ça retire les bonus de stats. Donc on s'en moque un petit peu. Ok, vas-y Gorgouille, pour commencer. J'aurais dû retirer Slurnian. Ah bah non, parce que c'est vrai qu'il peut toujours attaquer. Quand il est comme ça, il peut toujours attaquer. Faut pas oublier. C'est surtout ça qui est important, en fait. Allez, dérouille en or! Bam! D'accord, c'est tout. Bon, c'était pas énorme, en fait. Hein. Je m'attendais à mieux. Bon, ça fait mal aussi. Vas-y, démophage. Tu peux le faire. Et démophage. Et voilà, c'est bon. Donc, on lui aura déjà fait quelques dégâts, quand même. C'est pas le... Raté? Il y a vraiment un problème avec Miyoka, il y a un problème. Comment ils font pour rater autant leurs attaques? C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Bon, en tout cas, c'est pas grave pour le moment, on peut rien y faire. Donc on va attendre d'avoir déjà bien affaibli sa petite boule là. Son palais, c'est ça? Je crois que c'est un palais, mais non, ça peut pas être son palais vu qu'il a déjà une bouche au-dessus. En fait, il a une bouche là, puis on dirait qu'il a une autre bouche en dessous. Bon là, voilà, je m'attendais à ça.
C'était sûr. Oméga chance, yes. On va gagner beaucoup d'XP à la fin du combat. Ça, c'est cool. Allez, allez, allez. D'accord. Je vais remettre quand même Selernian devant. On sait jamais. Ensuite, je pense que je vais faire la multime de Shogunian, là. Oui, si tu veux, vas-y, amuse-toi à faire ça. C'est cool. Bon, allez, vas-y, Shogunian. Comme ça, normalement, tu peux tout détruire. Ah bah, attendez, mais non, ça va servir à rien, parce qu'il lui restera déjà plus rien, en fait, quand je vais réussir à tout détruire. Vas-y, Shogunian. Oui, c'est bon. Il fallait que Shogunian attaque avant mes yokai. Mais qu'il l'a fait. C'est cool, Shogunian. C'est bon. Tu n'es pas inutile. Donc là, c'est bon, il va s'ouvrir. Ah bah non, en fait, il a attaqué qu'un truc. Bon, c'est pas grave, allez. Ce yokai, j'ai un petit peu de mal à comprendre quand est-ce que tu peux attaquer d'autres trucs. On peut pas attaquer ça? Non, on peut pas attaquer ça. Ok, donc maintenant on se concentre sur ça, mais à chaque fois je me concentre sur ça, mais ça sert à rien parce que de toute façon on peut rien attaquer d'autre. Donc ça sert à rien que je le pine, puisque de toute façon il n'y a rien d'autre à l'écran qui peut attaquer. Bon, on le fait comme ça, par défaut on va dire. Mais... ok, allez, gorgouille. Super. Poulpe. Ah oui, non, ça c'est un petit peu malheureux par contre. Vas-y, Shogunian, tu peux faire des dégâts, Shogunian. Enfin, des mophages aussi là. C'est le moment où vous pouvez faire des dégâts. Et impact blanc, ça peut purifier mes amis. Non, je crois que ça retire que les trucs positifs. Ça m'étonnerait que ça retire les trucs négatifs. Ce serait un petit peu chaud quand même. Ok, allez. Ils ont presque déjà tous regagné leur vie, c'est chaud. Non mais je vais gagner beaucoup d'XP avec ce combat. Ça va faire plaisir par contre. Ça va être cool. Allez. Super. Là c'est l'arnienne, tu vas en profiter pour redonner des vies à tes potes. Hein. Tant qu'à faire, tant qu'on y est. Allez. Super. J'aurais peut-être utilisé la multime de Selernian à un moment. Hein. Ouais, je vais l'utiliser là. Je vais l'utiliser. Ah ouais, mais c'est super embêtant qu'il retire les stats bonus en fait. Parce que genre moi, mes yokai, ils perdent du temps en fait à envoûter les autres. Enfin, à envoûter mes potes pour justement leur redonner des vies. Et finalement, quand ça fait ça, ça sert à rien. Parce que au tour d'après, ils retirent tous. Enfin, il retire tout, le méchant, donc bon. Allez. Ok, là, maintenant, faut lui vider son ventre. J'arrête de piner. J'arrête d'envoyer mon pin, parce que ça sert à rien, de toute façon. Ça change rien du tout. Vu qu'à chaque fois, il y a soit deux zones à viser, soit une. Ok, non. J'ai même pas eu le temps de désenvoûter tout le monde, qu'il envoûte déjà. Ouais, ça va, il en a envoûté que deux. Ça aurait pu être pire. Bon, allez-y, vous attaquez son ventre ou pas, là? Je sais pas ce qu'ils font là, mes camarades, c'est un petit peu lent. Ok. Alors, bon, on va y aller avec. Gorgouille, c'est bon? Non, c'est pas. Ah, il y a la bulle, allez. Ok, bulle double XP, les amis! On a une méga chance, on a une bulle double XP. Ça, c'est vraiment un super combat. Je pense que je referai les lames éternelles en bulle de toute façon pour augmenter de niveau après. Hein. Parce que c'est la chose que j'avais fait dans le Kawash 1 et c'est la meilleure chose à faire. Hein. Allez, vas-y, Gorgouille. Je pense que là, je peux sans crainte balancer toutes mes âmes ultimes. Ok, bah en fait, je pourrais pas vraiment balancer toutes mes âmes ultimes parce que mes yokai vont se retrouver tout le temps envoûtés. Donc je devrais plutôt passer mon temps à les purifier. Allez. Vas-y, gorgouille. Ah, j'ai pas vu s'il l'avait raté ou pas. Je crois pas, hein, je crois qu'il l'a eu. Bon, alors ce yokai, comme je vous dis, il est pas très difficile, mais bon, par contre... il a beaucoup de vie, hein. Enfin, on lui fait pas beaucoup de dégâts, en fait, donc ça va être un petit peu long de le battre, je pense. Allez, donc Shogunian, vas-y. Ah, il passe en mode énervé, là, voilà. Fallait bien que ça arrive un moment. Je crois que quand il passe en mode énervé, il peut sortir un peu n'importe quoi, n'importe comment, hein. Vas-y, Shogunian. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut avoir genre, sa boule de sortie et en même temps les poils de son nez. Enfin, c'est pas des poils, mais vous m'avez compris, hein, c'est la même chose. Ok, allez. Chronophage. Voilà, super. Donc là, on passe à son ventre, encore. Non, mais j'avais vraiment, vraiment peur de ce boss. En fait, j'aurais pas dû. Il y avait aucune raison. Il y avait absolument aucune raison. Hein. Bon, ok, allez. Alors. Super. Vas-y. Là, vous pouvez y aller. Bon, ça sert à rien qu'il y ait Selernian, mais bon. Bon, vas-y, je pense qu'il aura refermé sa bouche du temps que j'utilise la multime de démophage. On sait jamais, hein, mais... Vas-y, démophage. Oui, c'est bon, ok. Il a pas refermé sa bouche. Vas-y, démophage. Yes, c'est pas raté. J'utiliserai... Ah bah non, bah, j'utiliserai pas la multime de Maître Niada. Je voulais, mais non.
Je me disais j'utiliserai la multime de Maître Nyada quand il aura ressorti ses tentacules, mais non, ce n'est pas possible. Oh là là, 460. Ouais, quand Gorgou il fait des coups critiques, par contre, ça fait très très mal. Ok, vas-y, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'est pas très gentil par contre. Ah, je peux utiliser la multime de Slurpant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça fait mal là par contre. Ah oui. Gorgou, il va peut-être y passer là, j'ai pas fait gaffe. Mince. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. Est-ce que je m'en occupe ou pas? Ouais, je vais lui redonner un petit remède pas ouf. Je vais lui envoyer un remède infect. Voilà, ça va lui redonner rien du tout, mais je lui redonnerai des vies quand il sera revenu. Enfin, quand il sera mieux. Allez, vas-y, Maître Nyada. Eh, là, il y va avec des attaques un petit peu plus fortes, quand même. Là, il est sur les nerfs. On se voit qu'il sent que sa fin est proche. Eh, vas-y, Maître Nyada. Bim. Au débit. Ça va faire grand-chose, mais bon, c'est déjà ça. Alors, je vais donner à Gorgouille. J'ai rien donné, en fait. J'aurais peut-être pas dû. C'est rare. Mince. Ouais, elle se redonne des vies, forcément, mais alors Gorgou, il va y passer, là, non? Oh, ça va, il perd du temps à... Mince, non! Parce que maintenant, c'est dernière, elle ne va plus lui redonner des vies à Gorgou. Mince! Bon, là, on est dans un état un petit peu plus catastrophique que je le pensais, surtout que l'attaque a raté, d'accord, bien sûr, bonne chance. Allez, là, faut vous concentrer toutes vos attaques, là. N'envoûtez pas, ne faites rien de tout ça. Attaquez, 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 hein, mes yokai. Oh là 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 là, déjà. C'est tout ce dont j'avais peur, en fait. Parce que maintenant, ils ne peuvent rien faire, c'est ça? Confusion due à un regard étrange. D'accord, mais ça fait quoi? Ils peuvent continuer d'attaquer ou pas? C'est la question que je me pose. Bon, vas-y, Gorgouille. C'est surtout c'est Lornian en fait qui a plus beaucoup de vie, je viens de voir, mais... C'est Lornian, tu peux attaquer ou pas? Enfin, tu peux utiliser ton pouvoir ou pas? C'est ce que je me demande. Oui, c'est bon. Elle utilise Paradis sur elle-même, ok. C'est bon, le combat est gagné. Enfin, il n'est pas encore gagné, mais... Là, à moins que je m'arrête de bouger, normalement c'est bon, on va y arriver. On va y arriver. C'est un petit peu dommage qu'il y soit passé, là, Maître Nyada, mais tant pis, on n'y peut rien. Ah, mais attendez, mais je voulais faire ça, moi. Vas-y, à ultime. Ah, mince, des vertiges, j'en aurais plus que deux à l'avant. Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud, chaud, chaud. Vas-y, Shogunyan. Ok, parfait. Allez. Alors, donc, on purifie tout le monde. Vas-y, plus vite. Ah, il en envoûte deux. Mince, il envoûte les deux. J'avais peur de ça. Défense en forte baisse, ça va. Il y aurait pu voir pire. Enfin, ça dépend parce que ça a été très forte baisse. Donc très forte baisse, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir la surprise là. Ok, c'est bon. C'est bon, elle est pas morte. Parfait. Oula. Ok, elle a reperdu encore beaucoup de vie. Non mais c'est bon, là c'est gagné. C'est gagné les amis. Il reste plus qu'à détruire son ventre là. Et c'est bon. Super. Allez. Démophage, amultime, amultime. Je peux y arriver. Il n'y a pas que des mophages, hein. Si vous autres vous pourriez attaquer, ça serait pas mal. Ça serait pas mal non plus. Allez, vas-y, des mophages. Non, ça va pas être le coup final. Si, c'était le coup final. Et bien voilà les amis, nous venons de battre Rancorné. Ça n'a pas été très simple. Pas été si simple, aussi simple que je le pensais. Hein. Ouh. Bon. Donc tout le monde augmente de niveau, 74, 74, 71, c'est pas assez pour battre Pot-au-feu tout ça, hein. Je crois pas, hein. Bon, on va quand même essayer. Donc pour ça, je vais mettre déjà tous les petits livres là. Donc je vais rajouter de la multime à Gorgouille, vu qu'il a une attaque un seul. Et puis je vais mettre de la technique tip-top, bon allez, à Slurpant, j'essaye d'abord de les maxer en fait. Yokai il flâne moins, déjà il flâne plus. Donc bon, je vais remonter quand même, sauvegarder, regagner des vies. J'ai pas besoin de regagner des vies, mais au moins sauvegarder, puis je vais revenir à Pot-au-feu. Les amis, comme je vous l'ai dit, Pot-au-feu c'est un test. Il est possible que j'arrive pas du tout à le battre. Donc c'est vraiment un test, hein. On va voir ça. Souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi des pouces bleus, mais je n'en suis pas sûr du tout. Donc si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein, on réessayera plus tard. Hein. On va essayer quand même une première fois. Oh, un YSNI, un yokai scellé non identifié. D'accord, donc, et bien évidemment, aucune information à son sujet. Whisper, les sceaux ne sont pas censés être scellés? Ah bah oui, celui-là, il est pas scellé. Hein. Bien vu, Kirvendo. C'est sûrement pour ça que c'est autant la pagaille ici. Heureusement que le yokai dort, profitons-en pour réparer le sceau. Vas-y. Ah, ah.
Et ben mince. Adieu. Et bien voilà, Whisper fait encore une bêtise. Oups, ce n'était vraiment pas le moment d'éternuer. Tu l'as dit. Merci Whisper, merci. On va devoir trouver un moyen de l'assommer pour qu'il se rendorme. On y va, Carbendo. Et bien voilà, donc Whisper il dit on y va, mais bon, c'est surtout nous qui y allons. Pot-au-feu, c'est le yokai. On peut l'attaquer qu'avec des attaques physiques ou des attaques magiques en fonction de la couleur de ses yeux en fait. Et c'est un yokai catastrophique parce que il attaque ultra rapidement. Vous allez voir. Ah mais attendez, mais déjà pour commencer, on peut y aller comme ça puisque de toute façon il faut détruire ses. Il faut détruire les différents trucs. Ah mais j'aurais dû attendre en fait. Bon non, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça prend du temps. Donc allez, vas-y, Shatana. Ok, on ouvre tout ça. Maintenant, on les remet. Voilà. C'est bon, on va détruire d'autres sous ou pas? J'ai l'impression qu'il fait moins de dégâts que dans le Kawatch 1. Moi j'ai l'impression de. Quoique non. Non. Il fait quand même pas mal de dégâts, puis encore il est pas encore à son maximum. Donc là je pense que je peux l'avoir avec des coups physiques, mon dieu. C'est bon. Il attaque que entre guillemets deux fois par tour, ce qui est déjà énorme en fait, mais. Raté! Donc là c'est des attaques magiques qui peuvent l'avoir, d'accord. Bah, je ne savais pas. Je saurai maintenant. Vas-y, avec les attaques magiques, je sais pas qui en a par contre. Hein. Là, ils en ont pas, moi. Ah oui, récolte. Ok, c'est bon, ça marche. Merci, Slurpan. Oulala, mais j'ai pas le niveau. Je pense que j'ai pas du tout le niveau. Afrosalène, d'accord, ça va envoûter tout le monde. Ok, vas-y. Il nous faut Celernian au plus vite. Surtout elle, en fait, il faut faire sortir. Qui l'a attaqué, là? Je sais pas, il a l'air d'avoir attaqué quelqu'un, mais on sait pas qui. Eh, hey, mais attendez, mais ils ont aucune attaque magique, là, mes persos. Faut qu'ils changent de couleur d'yeux, hein. Impérativement. Allez, Afrosalène encore. Non, sérieusement, j'ai même pas eu le temps. Bon, ça va, en fait, quand il fait Afrosalène, dans tous les cas, il perd à moitié un tour. Donc ça, c'est pas si horrible. Qui vient l'attaquer? Je sais jamais qui l'attaque. Il attaque quelqu'un, on sait pas qui, on verra bien. Allez. Et il regagne des vies petit à petit, mais vraiment très petit à petit, en fait. Faut qu'il perde un tour pour changer sa couleur de ses yeux, là. Oh, non. Ok, j'ai cru qu'il allait déjà tuer Gorgouille, mais non, c'est bon. Méga chance. Ouais, mais ça suffira pas. Hein. Ça suffit pas. Les vies qu'il lui redonne, ça suffit pas. Donc allez, on y va, mais je vais bientôt plus rien avoir. Hein. Faudrait que je rachète plein de trucs. Hein. Oh, mais là, on lui fait pas de dégâts. Vous ne lui faites aucun dégât. C'est pas presque, c'est rien du tout. Vous ne lui faites rien du tout. En fait, j'aurais dû avoir une équipe un peu différente, en fait. Je pense que j'aurais dû avoir une équipe un peu plus différente. Mince. Celernian, vas-y. Non ! Ah, c'est beau, il change. Ok. Ok, il change. Il change pas spécialement au bon moment. Mais alors, par contre, j'ai un talisman de vitesse. J'ai donné le talisman de vitesse à elle, parce que là, on en a besoin. Mais attendez, mais qui ? Ah oui, c'est vrai. Une attaque physique, donc vas-y. Ok, pareil. Non, vas-y, démophage. Démophage a pas été eu. Ah, ça, c'est ouf. J'avais peur que ces derniers ne meurent, c'est bon. Ok, donc un ultime. Et je lui retire rien. Ça va être un combat très difficile, les amis. Ça va être très difficile. Je dis pas impossible, mais en tout cas, ça va vraiment pas être facile. C'est vraiment cool qu'il redonne des vies aux gens qui sont derrière. Hein. En fait, ce dont j'ai peur, c'est quand il va se recacher. Oh, œil laser, ça fait beaucoup de dégâts, ça. Hein. Ok, il a fait œil laser que sur un seul. Ça va. Ça aurait pu être bien pire. Le blabla gueule, ça a rien donné comme vie, hein, quasiment rien. Ah, c'est bon, il n'avait pas encore été utilisé. Ok, ça lui a presque tout donné en fait. Voilà, je me disais, en fait, ça lui avait vraiment rien donné du tout, vu que bah, ça n'avait pas marché. Enfin, ça l'avait pas encore envoyé. Donc là, Gorgouille aussi peut faire des dégâts. Mais j'ai vraiment pas une équipe équilibrée en fait, je peux lui faire des dégâts qu'à un petit moment en fait. C'est chaud. Oh là là, je vais gagner double XP. Enfin, double XP si j'y arrive. Ok, là c'est bon. Ne redonne pas de vie à Maître Niada. Et mince. Bon, c'est pas grave, on va lui redonner des vies aussi à elle. Allez, vas-y. Vas-y, Gorgouille. Ok. Parfait. Non. Oh, il fait pas beaucoup de dégâts, Gorgouille. J'avais cru que ça allait être pire, mais c'est bon. Allez, Gorgouille. Ah, ça met du temps, des fois. Je sais pas ce qui se passe. Ça galère. Alors, faut savoir que, oui, bon, Pot-au-feu, c'était le yokai le plus puissant de Kawatch 1. C'est pas le yokai le plus puissant de Kawatch 2. Il y a un boss encore pire. Vous verrez ça, mais il y a un boss encore bien pire. Ça va, il a perdu le tiers de ses vies, hein. Slurpan va mourir, là, non? Ah, mince, il passe en mode magie, là. Ah oui, donc là, on peut plus l'avoir avec rien du tout.
En fait, il y a un moment dans le combat où je peux rien faire. Je peux l'avoir avec lui, si son âme ultime peut l'avoir. Pas que son âme ultime, mais il fait pas souvent le reste en fait. Éboulement, ça peut l'avoir. Démophage, s'il fait éboulement, ça peut l'avoir. J'ai l'impression qu'il veut jamais le faire, donc... Ok. 165, c'est rien. Quand est-ce qu'il va se recacher? Ok, vas-y, si tu veux. Là, je peux rien faire. Ah, voilà, ouragan sale là. Talisman de vitesse n'a plus d'effet. Mince. Ah, mince. Mince, mince, mince. Bon, on va continuer à redonner des vies. Je vais avoir dépensé tout mon inventaire en un combat, quoi. Ok. Coup, voilà, ok, c'est ça que j'attendais. Parce que ça, maintenant, je peux mettre ça devant. Puis on va y aller, comme ça, Gorgouille, il va regagner des vies petit à petit. Ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Donc faut s'arranger pour détruire les trucs au plus vite. Puis en plus, après, ça le paralyse. Il se retrouve paralysé, le... C'est bon. C'est presque bon. Je pense qu'il y a moyen. Allez-y. Est-ce que je... Non, j'utilise pas la multime de Slurpant, on n'a pas besoin. Ah non, c'est bon, on n'a pas besoin. Vas-y, il en reste un. Oui. C'est bon. Et sauf qu'il est en mode magie. Il est en mode magie, ça ne sert plus à rien. Bon, on peut en profiter pour redonner des vies. Ouais, allez, on peut en profiter pour regagner des vies, c'est déjà pas mal. Bon, allez. Et Gorgouille aussi, il a une attaque normalement de magie, mais il la fait jamais. Parce que j'ai peut-être changé sa personnalité pour qu'il soit que en mode attaquant tout le temps. C'est possible. Pas d'ours, ça redonne combien de vies? Rien du tout, hein. Ah, rien du tout, vraiment rien. Non, mais change tes yeux! Affreuse haleine. Ok, d'accord, encore une fois. Allez. Il est terrible, ce boss. Il est terrible. Ah, bah, ah oui, c'est vrai que ça fait des dégâts sur eux là-bas, même si ils sont loin derrière. Ok, affreuse haleine, merci. Donc, ils vont prendre quelques dégâts, là, derrière. Non? L'attaque, bah, pourquoi il a pas fait une seconde attaque? Ah si, c'est bon, il l'a fait. Il a tué personne, hein. Non, il a fait quelques dégâts, mais je suis même pas sûr qui, donc... Voilà, ouragan, c'est bien. Je crois que là, il en est à la moitié de ses vies. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Au début, ça a été en mode assez terrible, en fait, le début du combat. Mais là, on y arrive bien. Allez. Là, je vais mettre Slurpant d'abord. Allez. Slurpant, si tu fais ton âme ultime, normalement, tu peux faire pas mal de dégâts. Vas-y, 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 vas-y. Bah, tu peux bien te débarrasser de quelques talismans. Normalement, celui de gauche, il saute, là. Ah, c'est bon, celui de gauche a sauté. Là j'ai un petit peu peur hein, parce que je sais pas combien de temps. Ok, je sais pas combien de temps il fait son truc là. Coup de poids. Voilà, c'est bon. Mais encore une fois, voilà, il est paralysé en mode yeux rouges. Ça ne sert à rien. Ah c'est bon, ouragan. Très bien, récolte, yes. Ah ils ont compris, bon là il a pas compris, il s'est retrompé. Mais ok, ils sont tous retrompés. C'est pas grave. Il va y arriver, peut-être à un moment. On sait pas, on espère. Oulala, Shogun il a failli passer. Shogun, il faut lui envoyer un saumon là. Faut vraiment qu'il regagne beaucoup de vie. Non, mais sérieux! Ok, Gorgouille aussi est presque mort. C'est assez terrible. Il change plus d'yeux. Je crois qu'il a compris, en fait. Il a compris que je faisais que des attaques physiques, donc il veut plus... Il veut plus... Ah, voilà, ok! J'ai été trop... J'ai parlé trop vite. C'est bon. Allez, Démophage, tu ne loupes pas ton attaque, hein, parce que... C'est bon, ça n'arrive pas souvent, donc loupe pas. Et laser sur Shogunian, ben Shogunian est mort. On peut le ramener à la vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah pas maintenant, on peut pas le ramener à la vie maintenant en fait. Attendez, on peut? Ouais, on peut, allez. Faut que j'utilise les objets dès que je peux. Je sais pas s'il a réussi à le toucher des Démophage ou s'il a raté. C'est ce dont j'ai peur. Ok, raté Maître Nyada. C'est pas grave, allez, vas-y Gorgouille. Super. Alors là, j'aurais bien voulu ne pas mettre Slurpant en avant, parce que là, Slurpant, je pense qu'il va se faire tuer. Mais vraiment, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Faut pas qu'il attaque Slurpant, en fait. Mais bon, ce serait beaucoup de chance quand même qu'il attaque pas Slurpant. Ouais, Crash Éclair, il attaque tout le monde. Slurpant, oulalala. Attendez, œil laser sur Slurpant. C'était sûr. Il est vicieux, hein. Il est vicieux, ce monstre. Vas-y, c'est Lurnian, tu peux lui redonner des vies? Parfait. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Allez, tu peux te mettre en purée de poids, là. Mets-toi en truc de poids, là. Non, mets-toi en truc de poids. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc là, Shogunian, en plus, est là. Tu vas pouvoir utiliser son même ultime. Oh, génial, il va recevoir des attaques. Des âmes ultimes. Et il va recevoir plein d'attaques en plein dans la tronche qui sont en mode...
enfin en mode physique, et ça c'est cool. Ok, parfait. Scorpion, vas-y. Attendez, je vais redonner. Comment ça, ça a raté? C'est pas ce que je voulais par contre. Ouais, attendez. Où est. Ça redonne énormément d'âmes. Ça suffit ou pas, Gorgouille? Ouais, ça suffit. On va pouvoir soutiller son âme ultime. Vas-y, Shogunian. Allez, un coup encore. C'est bon. Bon, alors, Gorgouille, tu peux y aller. Ça va lui faire mal. Parce que là, il est à terre, il peut plus attaquer. Hein. Profitez-en, c'est le moment. Gorgouille. J'ai trop peur. Mince, a loupé. Gorgouille, t'es sérieux? Allez. Ok, récolte, ça marche plus. Hein. Pas la peine de faire récolte. C'est bon. Crash éclair, si tu veux, si tu veux. Fais juste pas changement. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas changement. C'est tout ce que je te demande. Je vais donner du curry du chef à notre Celornian. C'est tout? Ouais, parce qu'elle aime pas non plus. Elle est pas ultra fan non plus. Gorgouille. Elle va peut-être mourir, la Celornian. J'aurais peut-être dû donner plus de vie. Oh, encore? Encore? Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Ça tombe bien pour nous, hein. Parce qu'il a toujours ses yeux bleus. Il a toujours ses yeux bleus au moment où où il fait son coup de poids. Vas-y, Octuri. J'en reviens pas. Si j'arrive à le battre dans cet épisode, j'en reviens pas. C'est bien en avance par rapport à mon programme. Je pensais le battre dans encore une ou deux semaines, quoi. Allez, allez, allez. Parfait. Bon, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, on va mettre Démophage. Démophage, il peut faire quelques dégâts, quand même. Normalement. Démophage, vas-y. Parfait, 112. Ouh là 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 là, c'est bon. Encore un ou deux coups. Oh, les amis, on vient de battre Pot-au-feu. Oh mon dieu. Oh là 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 là, mais ça se fête ça. Ça se fête, j'ai pas de champagne là, je peux pas faire péter le champagne, non, j'ai pas de champagne. Mais oh, on vient de battre Pot-au-feu. Non, le vrai boss final, il est beaucoup, 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 beaucoup plus dur que Pot-au-feu. Mais c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Et maintenant, avec les niveaux qu'on a gagnés et tout, peut-être que la prochaine fois, on aura un petit peu moins de mal à battre Fouettard. J'ai eu l'objet? Non, j'ai pas eu l'objet. Il y a un objet pour devenir ami avec Pot-au-feu, mais je l'ai pas eu, malheureusement. Mince. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, ça veut dire que je devrais réessayer. Oui? Il faisait peur, celui-là! J'espère qu'il ne se réveillera pas de nouveau! Bah, peut-être que si, hein. Allez, vas-y. C'est maintenant ou jamais. Dépêchons-nous de réparer le seau. Vas-y, Whisper, répare le seau. Oui. Cadabra, adabra, seau du sommeil. Ah! Ok, c'était ça son pouvoir magique. Super. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est vraiment trop bizarre. Tu sors des mots comme ça et ça marche. Gerbano, grâce à notre travail d'équipe, même un problème de yokai comme celui-là est un jeu d'enfant. Excuse-moi, mais je ne t'ai pas vu faire grand-chose pendant ce combat. Et voilà. Super. Hein? Il y a quelque chose qui descend. C'est une corde? On dirait bien, oui. Comme si on voulait nous faire monter. On fait quoi? On va devoir grimper. Bon, bah, allons-y. Grimpons. Voyons voir ce qu'il y a en haut. Moi, je sais ce qu'il y a en haut, mais ça sert à quoi, ça? Ouais, d'accord. Tout est bien scellé. C'est bon, maintenant, comment on monte? J'arrive pas à monter. D'accord, ok, faut vraiment être bien droit sur le truc hein, pour monter. Bon, allez, par contre, c'est assez haut. Hein. Eh bien, voilà. Mais attendez, mais y a pas de sauvegarde? Ah, si, ça nous ramène quand même au premier cercle des Limbes Éternelles. Eh bien, écoutez, les amis, on va en rester là pour cet épisode de Yuka Watch 2 Phantom Buffy. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez de pouces bleus, de commentaires et abonnez-vous pour être au courant de la suite. Et la prochaine fois, on va peut-être réessayer Fouettard, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, le dernier truc là, on verra un petit peu plus tard quand même. Hein. Bref, merci à tous et à la prochaine, les amis. Salut!